On va au sol rapidement, trop rapidement pour lancer un maul. Mais Barlow toujours. Il franchit. Il a du gaz. Il franchit 5 mètres. Il a beaucoup, beaucoup de gaz. Allez, Cocotte qui s'appuie pénalité sur de la cours. Porte. Et son numéro 7, Martin Lavaux qui essaye de s'y mettre, qui revient vers l'intérieur. On continue avec les casseries. Il faut structurer ça maintenant. On va rester devant, probablement. Une pénalité en Corée, toujours pareil pour les casseries, puisqu'on signale un hors-jeu palois. Et le ballon est écarté. Mamavai Pouloun, l'essai entre les poteaux. Très bel essai de Mamavai Pouloun à la 13e minute. Le ballon continue à vivre. Cocotte petit côté pour Thomas Combezou. Pris par la défense paloise. Combezou. Allez, Cocotte qui laisse ce ballon à ses avants. On va rester devant. On va essayer d'y aller en force. Fixer un peu cette défense paloise. On essaye de se placer. Voilà, rapidement Thomas Combezou qui va se placer. Pour l'instant, on reste devant. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Grosse défense côté palois à son tour. Qui s'organise plutôt bien. Pénalité en cours, on le rappelle, pour les casserets. Les palos se sont mis à la faute, mais on continue à jouer. On jouit de l'avantage. Côté casserets. Allez, le CO, toujours en possession du ballon. Ou avec un mètre de Benedettis. Un mètre, attention, les casserets, très dangereux. Il a bien avancé, Vialel. Ouais, mais il est face au mur, là, Florian Vialel. Il est pris par la défense, il conserve le ballon. Cocotte qui prend son temps. On laisse faire les gros. On continue. Ouais, on est en force, on ne veut pas lâcher. Attention. Ah, c'est pas mal fait. L'essai. Ah, ça, c'est bien joué. Cette remise intérieure d'Anthony Gelonche, là, sur cette passe très, très tendue de Rory Cocotte. Remise intérieure pour Mamavai Pouloun qui va aplatir. Et qui est accrédité de son deuxième essai.